Colin, j'ai rentré rétro à soir. J'ai pas eu le temps de jouer beaucoup ces temps-ci, mais j'ai ressorti True Lies au Super Nintendo. Cette pochette. Oui, ce film que je n'ai jamais vu et puis que c'est un des bons. Hein, moi, j'ai appris ça dans ton podcast. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Ben, j'ai pas eu le temps de. Faudrait que tu fasses ça demain. J'ai parce trop perdu mon temps à écouter Last Action Hero. J'ai écouté ça. Oui, je le sais, mais c'est un des meilleurs films de James Cameron, ça. Non seulement, mais c'est un remake en plus d'un film français. Oui. Ah ouais? En plus, c'est quoi? Ça. C'est pas La Totale en français? C'est La Totale. La Totale. Le film français. Très bon film français d'ailleurs. Dans le temps que les Français faisaient des bons films. Bon, c'est pas vrai, c'est une blague, c'est une blague. Mais c'est vraiment excellent. Ouais, je veux voir ça. Là. C'est, pour j'ai vrai, pas snobé le film. J'ai juste à donner que j'ai jamais vu ça. Ouais. Je sais pas pourquoi. Vrai mensonge. Ça va venir. Netflix. Vrai mensonge. Netflix, alors, ça. Oui. Et puis, écoute, c'est un jeu, ça, qui est sur le dessus de la boîte. Il y a un petit logo LJN. Ouais. Et puis, ça pourrait faire... Qui dit, tu sais, jeu de film dit marde, ouais, d'abord. Et qui dit LJN dit tacaliste. Ouais. Marde. Là, ça commence à faire beaucoup de marde en même temps. Gage de médiocrité. Oui. Mais non, mesdames et messieurs, ceci pourrait être l'un des deux, trois jeux de LJN qui sauve la face avec Alien 3. C'est malade. Et Maximum Carnage au Super Nintendo. Oui. Et puis, Alien 3 était très bon. Alien 3 qui est aussi, je pense à ça, un jeu de film oui, que j'aime bien, bref. Mais ouais, c'est ça. Bon, True Lies, excusez. Développé par Beam Software, ils ont fait bien des choses, eux autres. Ça, c'est ouais, quand même, c'est un développeur... C'est la petite plume. Ouais, la petite plume. Exact. Là, exact. Et puis ça, c'est un jeu top-down. Attendez, c'est disponible sur Super NES, Genesis, Game Boy et Game Gear, Bruno. Game... Oh, Colin! Tu pourras jouer. Un achat. Un achat. Ça sent bien. Dès qu'elle marche. Et puis, j'ai regardé du gameplay du Game Gear, puis définitivement moins rempli. Moins impressionnant. Ouais, c'est pas bien, bien beau. Mais c'est ça. Donc, ce jeu-là, c'est un top-down, comment dire? Good gosh! Dungeon crawler, je sais pas trop. Où est-ce que tu tires du fusil sur des gens. Et puis, c'est pas mal juste ça que t'as à faire tout le long. Il est donc bien beef, Arnold. Ah, il est beef, beef, beef. Puis, t'as plusieurs guns, comme on voit ici. T'as ton gun de base, là, qui a 15 balles dedans, puis qui reload à l'infini. T'as un shotgun, t'as un Uzi, et puis t'as des grenades, et puis des mines que je n'ai jamais pris le temps d'utiliser parce qu'on s'en crisse. Quoique, ça aurait peut-être aidé maintenant, je pense. Mais t'as pas nécessairement toutes les armes dans tous les niveaux tout le temps, et puis il faut que tu les trouves. À la base, t'as vraiment juste ton gun de base, là, tu sais. À la base, t'as ton gun de base. Voilà. Makes c'est sense. De la bonne télévision. Ouais. Fait, c'est une vue à la Enter the Gungeon, en fait. Ouais, ouais, exact. Pour là, ceux qui ne verraient pas le gameplay. Une vue à plonger, ouais. Et puis, dans le fond, bien sûr, tu peux tourner dans tous les sens, marcher dans tous les sens. T'as un bouton pour locker ta direction. Ouais. Bien sûr, une chance. Sinon, t'aurais pas jamais pu jouer à ça. C'est un twin-stick shooter à un stick, ça. Ouais, c'est ça. C'est pas mal, c'est ça. C'est vraiment en fait ça. Et puis, t'as aussi un genre de un dive, un bouton pour plonger, pour éviter les balles. Mais je l'ai pas utilisé beaucoup. J'aurais peut-être dû l'utiliser assez, je dirais. Plus que ça, je dirais. Excusez, je perds mes mots à soi. Ben, JF nommait Enter the Gungeon tantôt. Puis c'est vrai, ça fait penser à Enter the Gungeon. Puis là-dedans, faut tout le temps que tu fasses des rolls comme ça pour éviter les balles. Exactement. C'est la seule façon de rester en... Mais ça, c'est pas aussi frénétique, par exemple. Ouais. C'est Thomas Arnold qui t'arrête à toi les 2 minutes. Ah, c'est ça. Puis ben, là, ce que tu vois, par exemple, ça, c'est comme un des seuls niveaux là, avec beaucoup d'action. Là, mais rouler à côté des gars qui font du ski, c'est quand même... Exact. Là, ça, c'est pas représentatif là, du jeu dans son ampleur parce que dans le jeu, tu vas surtout marcher tranquillement dans... Marcher au début dans une genre de party. Après ça, marcher au centre d'achat. Après ça, marcher dans Chinatown. Marcher dans les égouts. Marcher d'une raffinerie. Et puis, le dernier niveau, t'as un jet. T'as un genre de... Je comme dans là, le film. T'es un F-18, là, je sais pas quoi. Une scène classique du film. Et puis, ça, c'est le fun. Cependant, cette section-là est comme vraiment horrible. J'en vais en parler plus tard. Mais on dit dans le chat Jurassic Park au Super NES. J'imagine que, ça pourrait ressembler un petit peu à ça. Ouais, et puis... C'est vrai. Ce qui est... Fait que le gameplay est bon, tu sais, la vitesse, tout ça, tout est correct, cool. Les angles de tir, tout ça fonctionne, mais c'est juste très répétitif, tu sais. Ouais. Puis t'as genre 3 vies pour faire le jeu au complet. Cependant, pas de continue? Non, mais t'as des passwords. Ok. Cependant, si tu prends 2 vies pour finir un niveau, puis tu restes rien qu'une vie, puis là, avec ta vie, tu meurs au prochain niveau. Ben là, le password, il te recommence avec juste une vie. T'sais. Il te remplit pas tes vies à chaque fois que tu recommences. Si bol. Fait que, t'sais, il fait la job, mais pas plus. Non, mais
ils te donnent pas de chance. Il faut que tu fasses ton password. Faut que tu aies des bonnes runs à chaque niveau aussi. Tu chies de ta run, puis tu perds toutes tes vies, puis tu recommences. C'est foutu là, okay. pour la suite. Puis tu en as besoin de tes vies. Ils t'en donnent une ou deux par niveau. Il faut que tu les trouves. Il y a de la life aussi pas mal dans chacun des niveaux. Ça, ça aide. Ouais. Parce que des fois, tu es comme plein de life. Oups, il y a un pack de life à terre. Ah ben, je vais le laisser là, je vais revenir plus tard. Okay. En effet, tu vas faire du stock et puis tu reviens, t'es magané, tu le reprends. Faut vraiment que tu manages ce que tu trouves. Et puis, c'est bien fait pour ça. Mais ça aurait été appréciable là, d'avoir des continues. Ben, ouais. Au moins de te remplir checkpoint, trois vies. Ouais. Ouais, ou checkpoint, quelque chose. T'sais. Parce que là, au début, ça se fait bien. Moi, en plus, je l'ai mis à hard. T'sais. J'étais full cocky. J'étais comme, fuck it, man. Je vais jouer à ça. Je suis capable de faire ça. C'est pas compliqué. Et puis... C'est non, drôle finalement. Qu'il y a, des plaisanciers un peu partout qui restent là. Il y a du monde ça, c'est une grosse affaire de ce jeu-là. Hein. C'est qu'il y a toujours des badauds partout, ce que tu tires. Il faut pas que tu tires. Ils sont relax au bout. Ouais, mais dans le film, c'est un peu ça aussi, quand même. Il y a des endroits où il se passe des affaires, puis je sais pas. Mais les deux premiers niveaux sont comme ça. Après ça, ça s'en vient pas. Mais c'est juste des méchants. Mais okay, oui, okay. Là, faut pas que tu tires les plaisanciers, comme tu dis. C'est très drôle parce que les autres s'en foutent. Là, c'est un petit gunfight. Tout le monde, des coups de 12 dans la face. Il y a même des méchants avec des rocket launchers qui tirent des missiles. Mais eux autres sont bien chers. Moi, je me rappelle. M'en va chez Rossi. Mon ami François l'avait, ce jeu-là, au Super Nintendo quand j'étais plus jeune. Puis il me le prêtait souvent. Puis je me rappelle que ce qui nous marquait, c'est que c'était comme bloodé. Ouais, c'est bloody. C'est comme le film de James Cameron. Il y a de l'action, c'est un peu. C'est pas du gros blood, mais c'est de la violence des années 80-90. Mais c'est PG quand même, là, le film. Ben, je m'en souviens plus bien pour te dire. Moi, c'est récent, puis c'est pas saignant comme ça. Là. Ah, ça, c'est genre. Tu tombes, puis c'est comme T-Bone saignant en qualité. Là. Ouais, ben, eux, les ennemis, là, en fait. Mais nous autres, on saigne pas. On est Arnold, après tout. Ah, il y a sûrement des termes de contrat qu'Arnold peut pas saigner. C'est clair. Et puis, c'est ça. Côté musique, c'est vraiment plate, là, sérieux. Il n'y a pas de musique vraiment dans le jeu, là. Ça, c'est un petit peu dommage. Là, ça aurait été le fun. Tu sais, j'ai parlé à Retro Nouveau il n'y a pas si longtemps de... au Super Nintendo, Opération Logic Pop. Ouais. Ça faisait vraiment une job plus intense. Okay. Ça, c'est pas pire un peu. Mais à un moment donné, plus t'avances dans les niveaux de la fin, man, il y a tellement de monde. Ouais. Puis il y en a qui te foncent dessus, là, tu sais. Okay. All out, là, avec le Yoshi dans ta face, faut que tu te sauves, faut que tu manages. Puis il y a un niveau, là, puis ça m'a fucké ma game bien raide, où est-ce que à la fin, la séquence se passe dans un très petit espace, et puis il y a 5 ordinateurs qu'il faut que tu détruises à force en tirant dedans, oui. Puis en tirant des grenades, puis tout le monde te rentre dedans. C'est une boucherie, là. Ça sert juste à briser ta game. C'est briser cette section-là. Je veux dire, ben, peut-être justement à Hard, c'est ça qu'ils se sont dit. On met juste plus de bonhommes. Peut-être, mais j'ai comme l'impression que même à normal, ça doit être trop loadé. Oui. Là, t'sais. Parce que après ça, j'ai triché pour pouvoir jouer à tous les niveaux pour en parler à soir. J'ai pris les passwords sur Internet pour essayer les niveaux de la fin, puis le jet. Mm-hmm. Puis, man, encore une fois, je commençais avec 9 vies. j'ai pas réussi à finir, tu sais. C'est horrible. Parlons-en du niveau du jet, d'ailleurs. Tu sais, le jet est super gros. Puis là, t'es au-dessus d'un pont, puis t'as des jeeps qui tirent dessus. T'as plein de véhicules qui tirent dessus. Il faut que tu détruises 3 trucks, puis ça prend du temps avant qu'ils apparaissent dans l'écran. 3 ou 5. Bref, man, je vois pas comment on peut dodger autant de projectiles. Ouais. Là, c'est à grosseur que t'as. C'est crissement mal fait. Puis ça va. S'il va lentement, le jet aussi, tu sais, c'est pas. Okay. C'est vraiment. Ben, c'est le fun. C'est parce que ça fait changement, puis c'est. Ouh, il se passe quelque chose, mais c'est pas juste. C'est pas le fun parce que ça te draine des vies. Le niveau bonus devrait pas être le dernier niveau que tu joues. Non, mais c'est pas un niveau bonus, c'est comme la première partie du dernier niveau. Okay. Fait que là, bien sûr, si t'arrives là avec, je sais pas, moi, mettons que t'as eu une bonne game, t'arrives là avec 7 vies, ben lui, il t'en suce au moins 3 facile. Ouais. Fait que là, il t'en reste 4 pour finir tout le reste et aussi faire le boss de fin qui, je l'imagine, doit être une terreur puis qui doit te tirer dessus en malade. Ouais. Puis, tu sais, comme. Fait que pour finir ce jeu-là, en fait, là, je l'ai pas fini, mais. Ah, c'est dur à finir, j'ai jamais fini. Faut pas que tu rentres dans le tas. C'est pas un jeu de rentrage dans le tas du tout. Là. C'est un jeu de. OK, avance, recule, il y a quelqu'un là. OK, prends le bon angle pour pas qu'il y ait le temps de tirer. Parce que quand tu tires sur un ennemi, comme il freeze pendant une seconde, fait que là, au moins, tu peux finir de vider ton chargeur dedans. Mais il y en a qui freeze pas totalement non plus. Mais bref, c'est vraiment un jeu de stratégie plus qu'un rentre dedans. Ouais. Fait que voilà.
Mais malgré tout, c'est une cassette, ça, qui a de l'air de rien, puis que vous pourrez peut-être penser trouver dans des bins de marde au marché aux puces, mais ouais. Ça vaut quand même 30-40 piastres. Ouais, c'est une quarantaine de piastres. Okay. Ça, c'est un jeu qui vaut quelque chose. Ben, je pense que oui. Ben, c'est pas mauvais. C'est juste c'est difficile un peu. C'est pas mauvais du tout, là. C'est le fun. Je pense que le rôle est très important, puis il n'y a pas grand monde qui l'utilise dans les images. Ouais. La roulade. Ouais, c'est un bon jeu, sérieux. Moi, je tiens juste à dire que Bruno a dit que True Lies était un des meilleurs films de James Cameron. James Cameron qui a fait Terminator Titanic. 1 et 2, Titanic, Aliens, puis Avatar. Mais True Lies. Ouais, True Lies. C'est son hidden gem, peut-être. C'est son meilleur, je sais pas. Non, c'est pas son meilleur. C'est un de ses meilleurs. Ben, ils sont tous attention, assez peaufinés. Parce que moi, j'ai pas aimé Avatar, puis j'ai pas aimé Avatar, Titanic. Avatar, c'est ordinaire, puis Abyss, c'est un peu. Abyss, c'est un peu. Ben, c'était correct, Abyss. C'est, mettons que c'est un bon film quand t'as une grippe un samedi après-midi. Ben non. Écoute, très bon réalisateur. Bon travail, on l'adore. On le salue. Si vous écoutez, il nous écoute. Ouais. On le salue. Dans son sous-marin. Il n'est pas occupé, pas en tout. OK. Ouais, non, c'était pour finir. C'était bon. Ça vaut la peine. Moi, j'ai bien aimé. Puis, tu sais, achetez ça. Achetez bon. Ça, jouez-y. Cool. Puis gameplay un peu à la Hotline Miami qu'on dit dans le chat, comme ouais, ben beaucoup plus lent là. Ouais. C'est vraiment plus lent. C'est très plus super lent. Nintendo. Puis même si t'es stratégique, les bonhommes feront pas ça. Tout le temps les mêmes patterns. C'est plus Hotline I'm Queen. Les bonhommes sont pas intelligents là-dedans non plus là. T'sais. Fait que des fois tu peux tirer avantage, mais bref. Non, c'est une curiosité, ça vaut la peine. Bien du plaisir. Bon, cool. Un peu d'agrément. Ouais. Parfait.